Yo tout le monde, on se retrouve sur Pokémon version Rougefeuille. Oui, ça fait très très longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur Pokémon Rougefeuille. Oui, je l'ai sur... Attendez, juste 2 secondes parce qu'il y a mon téléphone qui a... Plim plim avec Facebook. Et ça me dérange. Oh là là, ces gens. Donc voilà. Donc on va commencer cette aventure ensemble parce que voilà, c'est la première fois que je vais vraiment faire des aventures de Pokémon sur ma chaîne et je voulais commencer sur les versions d'avant, hein, parce que ça, voilà, ça me plaît bien et je me suis dit pourquoi pas faire ça today. Donc chaque jour je vais mettre un nouvel épisode et on ira ainsi de suite jusqu'à la fin. Heathcliff joue à la NES. Ok, je connais pas. Bon, faut y aller. Allez, let's go. Alors, si je me rappelle bien, parce que ça fait très très longtemps, ça c'est le menu. Tout, 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 tout. Attends, ça c'est quoi ça? Ok. Et ça c'est quoi? C'est le du jeu. Ok. Et ça c'est pour parler. Ok. Donc un objet du sac peut être sauvé. La fonction c'est. Ok. Donc hop, on va directement aller parler à notre mère. Hop. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oh non, je me trompe. Désolé, hein, je me trompe, je pense que... Bon! Tous les garçons quittent un jour la maison, c'est la vie. Le prof Chen te cherche, il est dans la maison voisine. Ok, allez. On va aller voir le professeur Chen. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir faire le tour de... des jeux Pokémon, parce que moi c'est vraiment une envie, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. C'est je kiffe Pokémon depuis longtemps, du coup voilà, j'aimerais bien que ma chaîne soit un peu voilà, t'as compris. Alors salut Hit, Blue est dans le labo de Pépé. Ok, donc Blue il est déjà parti. Oui, parce que je me suis appelé Hit et le rival, ben, je l'ai appelé Blue. Voilà, comme ça au moins on reste sur le, voilà, t'as compris. Ok, Blue, il est là. Blue, yo, Hit! Pépé n'est pas là. Ok, bah, Pépé, il est où? Attends, notre mère, il nous a dit, il est chez la voisine. Bah, la voisine, c'est à côté. Du coup, on va essayer. Ah, oui! Chaîne. Hey, attends! C'est très dangereux, des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger, je sais. Suis-moi. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Blue, hey, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens, Hit, il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que 3. Il y en a un pour toi. Allez, choisis-en. Hein. Bah, Pépé. Mon Pépé et moi. Patience, Blue. Tu en auras un aussi. Ok, mais pourquoi moi je dois choisir avant lui? Ah, c'est. Ouais, ça a été comme ça. Bulbizarre. Je suis. Je sais pas. Moi, j'ai du mal avec les Pokémon plantes. Il est très facile à dresser. Ouais, mais. Non. Non. Je préfère Salamèche. Salamèche, c'est. Voilà, c'est le. Non, je veux pas ça. Non. Je préfère Salamèche. Voilà. T'es patient, alors tu as fait ton choix. Oui! Ce Pokémon est très énergétique. Énergique. Ok. Il obtient Salamèche. Voulez-vous donner un surnom à Salamèche? Bah non, parce que sinon, non. Ok, Blue, moi je prends celui-ci. Ok, Blue, bah, il a pris comme d'habitude un Carapuce. C'est le seul rival qui choisit. Enfin, c'est même pas le seul. La plupart des rivales, bah, ils font ça. Ok, donc on va essayer de sortir. Oh, Blue va nous demander en... Ah. Minute, Hit. Voyons quel de nos Pokémon est le plus fort. Bah écoute, c'est le mien. Allez, viens te battre, minable. Tu sais, le gars, il se la fait dès le début, quoi. Mais je vais te défoncer.
Un combat est lancé par le rival Blue. Carapuce envoyée par le rival Blue. Putain, mais en vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ah non! Ah, j'ai eu le Salamence Shiny! C'est énorme, putain! Oh, mais c'est énorme! Tu n'avais pas encore jamais vu combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Dans un combat, les dresseurs lancent leurs Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Ok, le dresseur qui parvient à réduire à zéro les PV des Pokémon adverses gagne le combat. Ok, assez parlé. Et si nous passions à la pratique? Rien de mieux qu'un vrai combat pour vraiment se rendre compte. Ok, bah écoute, moi ça me fait super plaisir. Déjà, je commence le jeu et je me rends compte que j'ai un Salamèche Shiny. Va chercher. Inflige des dégâts à son ennemi et la clé est de la victoire. Ok, bah non, parce que Carapuce va me faire Sarge. Ça va me faire la moitié de mes PV et après, voilà, tout le monde est content. Ok. Ça la mèche, rien. Hop. Non mais c'est nous qui. Oh, on va gagner là. What? Oh bah il fallait ça. Oh. Mais Blue, tu m'as pris pour rester à la mèche. Non. Wouh! Lourd. On est passé niveau 6, c'est déjà bien. Vous avez battu le rival Blue. Quoi? Incroyable! Bah oui, c'est incroyable. Moi, même moi, je savais pas. J'ai pas appris le bon. Enfin, j'ai pas appris le bon Pokémon. Tu rigoles! N'importe quoi. C'est fou, lui. Chen, excellent! Si tu gagnes, tu remportes de l'argent. Et tes Pokémon acquièrent de l'expérience. Affronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Ouais. Bah écoute, ok, je vais m'entraîner mon Pokémon. Enfin, je vais entraîner mon Pokémon. Pépé, à plus tard. Allez, je suppose que on doit aller parler à sa maman. Après tout, j'en sais rien, moi. Moi, je. Ah, il faut vraiment que je m'adapte à ça. Allez. Tourou, 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 tourou. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Regarde! Regarde, regarde! J'ai copié ce que tu étais. Enfin, ce qui était écrit sur un des panneaux. Astuce. Astuce. Star pour ouvrir le menu. Bah écoute, c'est entrée, hein, je sais pas. Si c'était aussi incroyable que ça. Mais franchement, on a un Salamèche Shiny, les gars. Vous, ça choque personne en France. C'est énorme. Hein. Allez. Non, 2 secondes. On va juste faire un truc. Attends. Quoi? Vitesse de texte. Par contre, on voit que dalle. On met oui. Animer le combat, oui. Un choix. Son. Bouton, je m'en fous. Fenêtre. Je me rappelle à l'époque, c'était trop cool de faire ça. Moi, je prenais toujours celui-là. Allez, hop, on va sauvegarder. Ok, merci, petite. Allez, moi, je me casse. Lui, il va nous donner une potion. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Obtenu. Oh non, non. Oh non, non. Ok. Bah ouais, c'est cool. J'arrive. Oh, notre premier Pokémon. Que va. Ah, bah c'est un roux cool quoi. En vrai, c'est trop cool. J'ai avoir un Dracaufeu Shiny. Ninja. Attends, ah ouais, j'avais oublié que sur les premières versions, on peut pas avoir des Pokéballs dès le début. Mais c'est pas grave. C'est un dresseur?
Qu'est-ce qu'il raconte? Un ratata sauvage apparaît. On dirait le son, il est un peu plus fort. Voilà, il est bien comme ça. Ouais. Salamèche apprend Flamèche. Énorme. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais allez, viens là. Tu vois tous ces petits, petites latus? Tu peux sauter partout. Par-dessus, c'est dingue, non? Non. Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette. Bourg, quoi? Bon palette. Bourg-Palette. Bon, bref, de cette façon. Ok. J'aimerais bien jouer Rochefeuille bleu. Enfin, je vais essayer de jouer tous les versions. Ouais. On est déjà à Jadiel, c'est excellent. Oh, il m'énerve. Je prends vos Pokémon un instant. J'en ai qu'un. Hey, tu viens de Bourg-en-Palette. Tu connais le prof Chen? Sa commande vient d'arriver. Peux-tu la lui porter? Obtiens colis de Chen. Oui. Ok, allez. C'est parti. Je crois... Ah ouais, j'ai pas avancé aussi vite que je peux. Voilà, comme ça au moins ça nous fait gagner beaucoup de temps vu qu'on n'a pas les choses de course. Wow! Un ratata sauvage apparaît. Ça doit être les Pokéballs, je pense, qui va nous donner Professeur Shen. Parce que là, il y a les Pokédex, mais ça doit être les Pokéballs. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Bah, c'est ça, hein. Merci. Pépé! Pourquoi tu m'as appelé? Ah, oui. J'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Heat et Blue, prenez ces Pokédex. Il te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper. Voici des Pokéballs pour en capturer. Obtiens 5 Pokéballs. Ok. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lance-lui une Pokéball pour le capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les coups. Ouais. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez
mon travail. Allez, roulez jeunesse. Attends, roulez ou vous les jeunesses? J'en sais rien. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé, laisse-moi faire. C'est clair, j'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais. Je vais prendre une carte à ma mère. Attends, à ma mère ou à ma soeur? Et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Yark. Mais c'est vraiment un radin, ce gars. Ah ben, tu sais quoi? Ah ben, tu sais quoi, moi? Rien du tout. Non, si, je vais parler avec elle, elle va m'en donner, je suis sûr. Tu pars d'exploration de la région de Pépé pour Pépé. Pour ceci, ça peut te servir. Oh, ben voilà, tiens. Comment elle t'a carotte, mon gars? Elle même l'a donné. Ah, mais t'y croyais, quoi. Attends, mais du coup, lui, il se barre comme ça, tu vois, il parle même pas avec sa mère, même pas pour lui dire au revoir, normal. Alors que les autres versions, on te demande d'aller directement parler avec ta mère, tu vois. Allez, va parler avec ta mère, s'il te plaît. S'il te plaît. Énorme. Excellent. Oups, bien, Roucoule. Hop, un petit flamèche qui fait toujours plaisir. Si je veux un salam, je veux un flamèche, moi. On peut pas avoir des Pikachu. Si, normalement, si, mais je sais pas où. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Depuis 2005. Alors. Ou peut-être, mais bien avant, j'ai pu. Alors. Allez, hop là. Voilà. Il m'énerve, ça. Ouais. Après, je crois qu'il faut aller défoncer Blue. Ouais. Ouais, mais voilà ce que je cherchais, Cocotto. Hop. Ouais, énorme. Hop, on va sortir One Pokéball. Voilà. Il est énorme. Non. Allez, on va soigner les Pokémon. Sont super en forme, merci. Hop, on va juste faire ça. Hop. Ça va, ce recul, il m'a l'air badass. Écoutez, on va faire un truc. On se retrouve juste après pour. Je vais juste entraîner recul vite fait et on se reprend juste après. À tout de suite. Eh, re les amis, on se retrouve sur Pokémon. Hein, je vous avais dit que j'allais juste entraîner le recul. Bah, au final, j'ai pu entraîner le recul et j'ai pu capturer aussi un Ferrosinge. Vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Et je l'ai entraîné aussi en même temps. Donc, bah, tous mes Pokémon sont niveau 10.
Et ben c'est parti, hein, on va directement avancer sur notre aventure tranquillement. Alors, si je me rappelle bien, après il faut y aller ici. Et normalement, il y a Blue qui va venir se battre avec nous. Si je me rappelle bien, hein, parce que je, tu sais, ça fait trop longtemps que j'ai joué à ce jeu. Ouais, c'est ça. Voilà. Hey, Hit! Tu vas à la Ligue Pokémon? Laisse tomber. T'es bien trop minable en plus. Il te faut des badges. Les gardes ne te laissent pas, ne laissent jamais, ne laissent jamais passer. Au fait, ça se passe comment l'entraînement de tes Pokémon? Bah bien. Franchement, t'as choisi le mauvais moment. Hein. Franchement, je dis ça pour toi, mais après, tu fais comme tu veux. Hein. Téma, je suis sûr son Rockcool va me mettre une de ses. Ah non, ça va. Bah, tu sais ce que je vais faire? Regarde. Hop. Vu que t'as un Rockcool badass, hop, je vais envoyer Salamèche. Shiny. Oh, je sais. Et je vais te mettre des coups de Flamèche en pleine tête, tu vas voir. Regarde, Flamèche. T'es mort. Ah non. Tu peux baisser si tu veux, hein. Comme ça je vais le changer. J'ai raté mon attaque. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule là? Oh le salaud. Ah oh, le salopard. C'est ça qui est chiant avec le jet de sable de ces versions là. Au moment où il t'a lancé plusieurs fois, c'est fini. Le mec, il peut mettre KO ton Pokémon. C'est excellent. N'importe quoi. Un jet de sable, quoi. Salamèche, je te jure, tu me déçois. Je vais te changer, tu vas voir. J'ai pris un Salamèche minable. Même s'il est shiny. Bah attaque Buldo va banane. Ferro-singe attaque high kick. Voilà. Ah bah je t'ai mis KO mon gars. Vous avez battu Blue. Ah la chance. Ouais, bah, depuis que je te la mine, il paraît qu'il y a des super dresseurs dans la ligue Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre sérieusement si tu veux les battre. Bah, tu dis ça à moi, putain, mais mon gars, moi je te signale que j'ai déjà 3 Pokémon et je t'ai défoncé en plus. Donc, viens pas faire le malin. Bon, a priori, là-bas, on peut rien y faire, du coup, on va parler. Il me fallait juste un café pour être super pied. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette boîte rouge que tu as? Ah, alors, tu travailles sur ton Pokédex. Laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokédex se met à jour dès que tu attrapes un Pokémon. Tu ne sais pas attraper de Pokémon? Je crois que je ferais mieux de te montrer alors. Ouais, mais en fait, si. Mais ok, si tu veux, écoute, comme tu veux. Bon, a priori, on ne sait pas capturer des Pokémon, du coup. On nous montre. Ah bravo. Tu as attrapé un asticot. Nulle part, hein, j'ai jamais vu. Et voilà, si tu n'as pas compris avec ça, je voudrais aussi que tu prennes ceci. Ok, le mec il me donne de la télé, tu sais. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, regarde bien. Cela t'apprendra les bases pour être dresseur de Pokémon. Très bien. C'est très bien.
Ça, c'est la reine de Giovanni. Ok, très bien. Alors, on va route 2 directement. On se perd pas le temps. Hop. Sur les combats, on va avancer. Voilà. Il faut coupe. J'ai pas coupe. Donc, hop, on va penser. Ah, ta 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 ta. Ah, ta ta. Qui t'a dit de te presser comme ça, là? Vas-tu dans la forêt la forêt de Jade? Fais bien attention de ne pas te perdre. C'est un vrai labyrinthe. Ouais, c'est vrai que la forêt de Jade, elle est bien. Ratata est petit, mais il est sur moi. Ah, as-tu capturé un? Non, non, je veux pas. Il est nul en plus. La forêt de Jade. Eh ben voilà les amis, en tout cas j'espère que ce premier let's play de Pokémon Rouge Feuille vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire si cette voilà voilà ces nouvelles vidéos de Pokémon ça vous plaît. Si c'est le cas, bah écoutez, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous, restez comme vous êtes car vous êtes super. Et ciao tout le monde, peace.